Bonjour, bienvenue à ces rencontres du développement durable et à ce débat de ce début d'après-midi qui est intitulé « Europe en transition écologique et en mue politique » et le point d'interrogation qui est au bout de la phrase n'est pas indifférent. L'Union européenne, comme vous le savez, a de grandes ambitions en matière environnementale, au point de s'ériger même en chef de file dans ce domaine sur la scène internationale, en portant l'objectif de neutralité carbone. Ces ambitions s'incarnent dans le Green Deal, le pacte vert, comme on voudra, et dans le plan de relance, Next Generation, qui pose les bases notamment d'un endettement commun des 27 États membres, qui, comme vous le savez, est un virage important dans la construction européenne, surtout s'il se confirme dans la durée. Mais jusqu'à quel point ces ambitions impliquent-elles ou entraînent-elles une modification des institutions européennes elles-mêmes ? Ces ambitions vont-elles modifier, chambouler même les rapports entre les institutions, la Commission, le Conseil ou les Conseils, devrais-je dire, et les États membres, entre le Parlement européen d'une part et les parlements nationaux d'autre part. Sachant qu'une part importante des mesures prévues par le pacte vert doivent être mises en place, évidemment, au niveau national, en œuvre au niveau national, celui où, aujourd'hui, l'essentiel de la délibération politique dans les États membres continue de se faire au quotidien, notamment sur les questions sociales qui sont et seront, je pense, de plus en plus imbriquées avec les sujets environnementaux. Pour discuter de ces sujets, nous avons la chance de bénéficier de l'expertise et de l'expérience de 4 panélistes pour un débat qui durera une petite heure afin de laisser évidemment du temps aux questions de l'auditoire. Questions que vous pourrez envoyer sur le site RDD, les-rdd.fr. Je vous présente les panélistes dont certains sont à mes côtés et d'autres à distance. À ma droite, Elisabeth Claverie de Saint-Martin, qui est présidente directrice générale du CIRAD, qui est le Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement, qui est l'organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. Auparavant, Elisabeth Claverie a été conseillère principale pour la France auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, et également directrice adjointe du développement durable au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. À distance avec nous également Christelle Heinemann, qui est directrice générale opération Europe de Schneider Electric, qui a débuté sa carrière au sein du Boston Consulting Group, puis a exercé d'éminentes responsabilités dans différents postes au sein d'Alcatel-Lucent, avant de rejoindre Schneider Electric en 2014. Également à distance, Julia Stamm, qui est fondatrice de Future Project, dont elle est également la directrice générale. The Future Project, dont elle aura peut-être l'occasion de nous dire un peu plus, une organisation à but non lucratif, qui promeut le changement et l'innovation systémique afin d'assurer des futurs durables pour l'humanité et la planète, notamment avec une orientation sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Auparavant, et ce n'est pas indifférent dans ce débat, Julia Stamm a travaillé notamment à la Commission européenne, à la Direction générale de la recherche et de l'innovation. Enfin, à ma gauche, Jean-Patrick Janich, qui est associé et directeur des politiques publiques d'Olivier Wyman France, qui est un cabinet de conseil de direction générale. Auparavant, il a exercé dans sa carrière dans les institutions publiques nationales et internationales. Il a notamment dirigé le secrétariat du G20 et du G7 sous la présidence française et participé à de nombreux travaux sur la finance verte et le risque climatique au sein de groupes de travail européens et internationaux. Comme je vous le disais, ce premier débat, avant vos questions, va durer une petite heure et sera divisé en 4 parties. Une première sur un état des lieux, une deuxième sur les causes et l'historique du sujet, une troisième sur quelques approches théoriques et pratiques, et une quatrième sur les solutions qui se dégagent. Donc, l'état des lieux pour commencer, et une première question à Julia Stamm. Quelle est, à vos yeux, l'importance du Green Deal, et surtout, quand est-ce que la Commission européenne, que vous avez connue de l'intérieur, a-t-elle pris conscience, à votre sens, de la nécessité de réorienter ses politiques publiques ? D'abord, je dirais qu'on ne peut pas sous-estimer l'importance du Green Deal. C'est en effet la nouvelle stratégie de croissance de l'Union européenne et c'est aussi le moyen de mettre l'Union européenne sur les rails de la transition écologique. Aussi, c'est très important de le mentionner, et vous avez déjà fait référence à ça, avec le Green Deal, les dirigeants des États membres ont souligné leur ambition que l'Union européenne en fait, joue un rôle de premier plan aussi au niveau mondial dans la lutte contre le changement climatique. Quand on regarde plutôt la Commission, le Green Deal est vraiment d'une importance capitale pour la Commission actuelle. La présidente actuelle, Ursula von der Leyen, l'a inclus dans la liste de ses priorités, même avant de prendre son poste. Et en plus, elle a confié son implémentation à son vice-président Timmermans, qui en effet est son numéro 2.
En plus, et on le sait, le Green Deal constitue la base d'initiatives tout aussi importantes et conséquentes, comme par exemple le paquet Fit for 55 qui est en train d'être négocié entre le Conseil et le Parlement. Par rapport à la deuxième partie de votre question, quand est-ce que la Commission a pris la conscience de la nécessité ou de besoin d'orienter ses politiques publiques? Moi, je suis pas tout à fait convaincue que ça a été le cas. Donc, en fait, ça suppose que l'Union européenne ait dormi pendant longtemps et qu'à un moment donné, elle s'est réveillée et a effectivement réorienté sa politique. Moi, je pense plutôt que les stratégies en matière d'énergie et aussi du climat qui ont précédé le Green Deal allaient déjà beaucoup plus loin que ce que de nombreux États membres auraient été disposés à accepter. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de continuité entre les stratégies énergétiques et climatiques avant le Green Deal, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ambition derrière. Vous avez déjà fait référence à mon temps au sein des institutions, au sein de la Commission, et donc j'aimerais bien rajouter un exemple concret. Donc, j'ai travaillé au sein de la Direction générale de la recherche et de l'innovation jusqu'en 2015, ça remonte quand même à quelques années. Mais déjà à l'époque, lors du programme cadre de la recherche qui précède l'actuel, Horizon 2020, les objectifs de développement durable avaient été intégrés comme cross-cutting issues, donc des sujets transversaux, c'est-à-dire la contribution des projets de recherche, par exemple, à la réalisation des ODD faisait partie de leur évaluation. Et ce, déjà depuis 2015, donc depuis l'année de l'introduction des ODD. Et depuis, le progrès envers la réalisation des ODD est mesuré de façon très systématique. Donc, je ne suis pas très certaine que ça a été le cas avec beaucoup d'États membres. Donc, du coup, la façon de réorienter les politiques publiques, moi, je m'interroge là-dessus. Et quand même, il y a eu un changement avec la Commission von der Leyen. Donc, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Si la Commission était déjà prête, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, ça a changé? Parce qu'on a eu l'impression que ça coïncidait avec le changement de Commission. Il faut aussi dire que les politiques de la Commission, quand même, sont décidées à l'avance. Donc, la Commission Juncker a dû développer ses priorités bien avant la fin de son mandat en 2018-2019. Donc, avant, il y avait, comme je disais, déjà pas mal de mesures prises pour le climat et l'énergie. Mais voilà, il fallait un nouveau mandat pour vraiment pouvoir l'intégrer dans les politiques de la nouvelle Commission. Donc, c'est voilà, la Commission a agi. Avec des années en avance, donc ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un jour à l'autre. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être quand vous disiez les sujets énergie et les sujets environnement, peut-être l'articulation des deux, est-ce qu'elle se pensait de la même façon avant le Green Deal ou pas? Moi, je dirais que maintenant, c'est pensé de façon beaucoup plus systémique. Donc, on les isole pas vraiment, ou plus comme c'était le cas avant, je pense. On a bien compris aussi au sein de la Commission, pas que là, qu'il faut penser tous ces sujets-là dans un contexte beaucoup plus vaste et aussi considérer les questions sociales, sociétales, santé. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, a changé maintenant. Vraiment, on pose ces questions-là, ces sujets-là, dans un contexte beaucoup plus systémique. Merci. Jean-Patrick Janich, le fait que l'Union européenne soit en transition écologique ou commence à être en transition écologique, est-ce que ça conduira également à un changement de régime politique? Est-ce qu'il faut créer de nouvelles institutions ou modifier celles qui existent déjà? La question est ambitieuse. je ne suis pas sûr que je vais vous parler de régime politique ou de changement de régime politique, mais je voulais rebondir sur ce que vient de dire Julia Stamm, Julia Stamm à l'instant. Je suis d'accord avec vous. Il y a eu un changement, un virage très important en juillet 2019, au moment de la constitution de la nouvelle commission. Et pour moi, le sujet qui était important à l'époque, c'est trouver un nouveau souffle pour la construction européenne. Et le climat était, de manière très technocratique, sûrement le meilleur candidat pour construire cette nouvelle... donner un nouveau souffle à la construction européenne. Ça ne pouvait pas être l'élargissement, parce que l'élargissement, on arrive au bout. L'euro, on l'a fait depuis longtemps. Donc, un des rares sujets qui était là et qui, en plus, stimule la jeunesse européenne, c'est la lutte contre le changement climatique. Donc, je pense qu'il y avait cette idée-là. Après, est-ce que c'était sérieux ou pas sérieux? On ne le savait pas, à ce moment-là, en juillet. Et à partir de décembre, quand on a eu le Green Deal, là, les choses ont été un petit peu différentes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie volonté et que, ce que disait Roulia à l'instant, ça devenait une politique
effectivement transsectorielle, transversale, qui touchait le travail de toutes les DG de la Commission. Donc il y a eu un changement fondamental à ce moment-là, mais patatras, il y a eu le Covid entre-temps. Et le sujet à partir de mars 2020, ce n'était pas de bâtir, mais c'était de jouer les pompiers. Et à partir de mars 2020, on a essayé de construire, on a construit avec beaucoup de succès et des changements institutionnels notables qui est par exemple la capacité d'endettement collectif, donc la responsabilité collective sur les fonds levés, on a lancé un plan de relance. Plan de relance qui, pour, si je me souviens bien, 37%, est censé financer des projets verts. Donc c'est en ligne avec ce qui a été dit avant. Maintenant, le diable est dans les détails. Et encore une fois, je ne veux pas me plaindre de ce qui a été fait parce qu'il y a des avancées très importantes depuis juillet 2019. Reste qu'aujourd'hui, on est avec un plan de relance qui a été construit d'une manière très différente de l'idée originelle qui était dans l'air en 2019, c'est-à-dire qu'elle a été construite de manière bottom-up. C'est-à-dire qu'on a pris toutes les initiatives nationales, on les a agrégées, on les a fait financer par les fonds européens, de façon à ce qu'ils cochent les différentes cases obligatoires qui étaient 37% de projets verts, climat, 20% de digital et puis d'autres sujets. Ça n'a jamais fait une stratégie européenne. Si vous avez la chance que l'agrégation des propositions nationales, qui sont en fait les sujets sur étagère qu'on veut financer pour relancer l'économie, constitue une stratégie collective, vraiment, vous avez de la chance si ça fonctionne. Donc, ça fera partie sûrement des sujets qu'on va creuser pendant cette heure de débat. Reste qu'il y a la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a un objectif européen qui est extrêmement ambitieux et en même temps ultra pertinent. C'est de réduire de 55% les émissions à horizon 2030 par rapport à 1990. C'est très pertinent parce que c'est le seul moyen d'arriver à zéro en 2050 et c'est extrêmement ambitieux parce que depuis 1990, on n'a fait que les 2/5 du chemin. Il ne reste que plus qu'une décennie pour faire les 3/5 du chemin. Donc on est face à une situation où il va falloir un changement, peut-être pas institutionnel, mais organisationnel. Il y a un vrai challenge. Et il faut que l'Europe se mette en mode projet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai plus de temps. Ici, mode projet, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Ce n'est pas le cas parce que je pense que la façon de comprendre ce qui se passe aujourd'hui pour la mise en œuvre du projet européen climat, c'est de regarder un petit peu ce qui a été fait dans le passé. L'Europe a été capable de mettre en œuvre d'énormes projets. Il y a eu l'euro, il y a eu l'élargissement. Et si on regarde les caractéristiques de ces projets, j'ai le sentiment que le sujet climat cumule les difficultés des autres. Si vous prenez l'euro, il y avait une date butoir très claire. On passait à l'euro le 1er janvier 2001 et à l'euro scriptural 2 ans auparavant. Donc il y avait une date qui obligeait tous les acteurs à s'aligner. Quoi qu'il arrive, tout le monde savait qu'au 1er janvier, on passait à l'euro partout. C'était un projet qui allait toucher tout le monde, mais concrètement très technocratique dans sa mise en œuvre. C'est un projet de technicien. Donc c'était assez facile d'aligner tout le monde sur ce projet-là. C'était un projet qui, finalement, ne coûtait pas très cher. Ça coûte beaucoup d'argent, mais je veux dire, on n'est pas dans les mêmes proportions que l'élargissement et encore moins que la lutte contre le changement climatique. Si on prend l'élargissement, c'est un projet colossal, sociétal. On fait rentrer 75 millions de personnes dans l'Europe, on augmente donc de 20% la taille de l'Europe, pareil pour le territoire. On est sur quelque chose un tout petit peu plus évanescent, il n'y a pas une date butoir, mais il y a un objectif 2004. Donc ça permet d'aligner les populations et il y a aussi un soutien populaire très important. Il y a une volonté de participer. Pour ce qui est du budget, ça coûte cher, mais il y a la chance qu'il y ait une telle différence de niveau de vie à cette époque-là entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest que finalement ça représente une intégration de 8%, l'équivalent de 8% du produit intérieur brut de l'Europe de l'Ouest. Donc ce n'est pas si cher que ça. Si on prend le climat, on a un objectif indéterminé dans le sens où il y a une urgence climatique, mais il ne va rien se passer entre le 1er janvier 2030 et le 2 janvier 2030. On peut répéter que c'est une urgence, mais il ne se passera rien de plus le lendemain, contrairement à l'euro, par exemple. Comme je l'ai dit, ça coûte extrêmement cher, et on est dans une situation qui n'est pas celle de 2004, qui n'est pas celle de 1999, où les budgets publics sont sous tension extrême. Et ça demande un changement sociétal profond, un peu à la manière de l'élargissement. Du coup, on se retrouve dans une situation où il y a un désalignement manifeste de tous les acteurs, même si on veut tous,
lutter contre le changement climatique, mais on se retrouve avec des autorités publiques qui disent il faut baisser de moins 55% nos émissions à horizon 2030. On se trouve avec des financiers qui disent je veux m'aligner sur ces objectifs de l'accord de Paris, et donc les deux tiers de mes investissements vont être, ou de mes financements en général, vont s'orienter vers des projets verts. Et puis on se retrouve avec des entreprises qui, quand on regarde précisément, on a fait un rapport avec le Carbon Disclosure Project sur l'état d'avancement, l'alignement des stratégies des entreprises avec les objectifs de Paris, et on se rend compte que moins de 10% des 1000 plus grosses entreprises européennes sont en ligne avec l'accord de Paris. Donc on se retrouve avec une machine très importante, des enjeux très importants, et finalement l'infanterie, qui est quand même toute l'économie réelle, qui pour le moment ne suit pas. Et si on prend le citoyen, si je finis juste ce désalignement, les citoyens sont majoritairement favorables à la lutte contre le changement climatique, mais les citoyens disent, ils nous disent, par les sondages qu'on a fait, que pour 30%, les produits durables, les solutions durables, c'est trop cher, et pour 30%, elles ne sont pas accessibles, elles ne sont pas, simplement pas présentes là. Donc il y a un problème de toute la chaîne où tout le monde veut bien faire, mais au bout du compte, il y a une aporie qu'on n'a pas résolue pour le moment. Et pour résumer, l'enjeu, l'ambition est géniale, mais maintenant il faut passer en mode projet. Il faut commencer à délivrer. Vous avez parlé des projets, vous avez parlé d'entreprises, donc je vais passer la parole à Christelle Edeman pour savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, de votre point de vue, du processus de transition écologique, ce long processus ambitieux que nous devons entreprendre. Je pense que ça a été dit, c'est-à-dire qu'on a un objectif maintenant qui est clair. Maintenant, on est très très loin d'avoir démarré d'un point de vue exécution. On est à la prise de conscience de ce qu'il faut faire. Si on regarde les enjeux qui sont réellement de réduire les émissions carbone, puisque quand on parle de changement climatique, c'est évidemment les émissions carbone ou équivalent CO2 qui sont en jeu. On est toujours avec une population mondiale et une partie de l'humanité qui n'a pas accès à l'énergie. Et en même temps, on est dans un continent européen ou américain avec une façon de consommer dont on sait qu'elle ne fonctionne pas. Donc on est au début des vrais bouleversements, et en parallèle, on voit bien que l'accélération du changement climatique est une réalité. Et ça va toucher des enjeux de résilience. On a tous vécu et on est encore dans cette phase de pandémie. Les enjeux de changement climatique vont avoir les mêmes impacts sur la résilience des supply chains, sur la résilience des organisations et des communautés dans lesquelles on vit. Donc on est vraiment au début, mais avec une vraie prise de conscience qui s'est accélérée. Donc on a parlé de l'Union européenne, de tout ce qui est fait. Il y a eu la COP21 et on voit bien qu'il y a une accélération et que la COP26, on l'espère tous, marquera à nouveau un rassemblement de toutes les nations, y compris des grandes nations mondiales, qui étaient plutôt un peu sorties dans ces dernières années. Maintenant, quand on regarde finalement, là on parle beaucoup du contexte politique de l'Union européenne, la réalité c'est qu'il y a quand même une prise de conscience des citoyens, et ça vient d'être rappelé, qui s'accélère. Le monde de l'industrie, des entreprises, en tout cas des grandes entreprises, est déjà largement à bord. Il y a tous les enjeux du monde de la finance, hein, puisqu'on parle beaucoup de la taxonomie en Europe, mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Et quand on est chez Schneider Electric, déjà très engagé, notre stratégie elle est axée sur le développement durable, on est évidemment à la pointe et il y a beaucoup maintenant d'acteurs qui se disent de toute façon il va falloir trouver des vraies solutions. Une partie des solutions existe, la vraie question c'est comment on les met en œuvre. Ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas se faire en silo, puisqu'on est sur des changements qui sont systémiques, que l'on doit travailler entre secteurs industriels. Si on prend l'exemple du passage aux véhicules électriques, ça a un impact massif évidemment sur les constructeurs automobiles, ça a un impact massif sur les fournisseurs des constructeurs automobiles, ça a un impact massif sur toute l'industrie qui évidemment vendait de l'essence, du gasoil, du diesel pour les véhicules, et ça a un impact massif sur les infrastructures de recharge et sur les modes de financement évidemment et les nouveaux usages. Donc on voit bien que ce type de transformation va traverser de nombreux secteurs. Et aujourd'hui, pour autant, les marchés les plus avancés, en tout cas dans l'adoption du véhicule électrique, c'est les entreprises qui ont des flottes de véhicules et qui passent massivement à l'utilisation de véhicules électriques. Donc on voit bien qu'on est dans un monde, et comme ça l'a été dit, où une partie des entreprises, alors je ne sais pas dire si c'est 10%, 20%, comme ça a été dit avant, sont déjà à bord et très engagées.
Et ensuite, tout l'enjeu, c'est d'embarquer tout le tissu des petites entreprises ou des entreprises qui, pour lesquelles la transition va être beaucoup plus difficile, avec des vrais enjeux de remise en cause. Et c'est là où, évidemment, on a nos rôles à jouer en tant qu'entreprise dans les secteurs industriels. Nous, chez Schneider Electric, notre activité, elle se fait beaucoup par des partenaires de proximité qui sont l'électricien, qui sont l'installateur, qui sont le constructeur, qui sont l'intégrateur. Et donc, c'est des dizaines de milliers de partenaires que l'on forme et qui pourront apporter ces solutions parce qu'effectivement, il faut que les solutions, et aujourd'hui, un des plus gros challenges, à mon avis, hein, d'ici 2030 et au-delà, c'est plus des enjeux humains même que des enjeux de politique, puisque quand on regarde ce qu'il va falloir faire, c'est des millions de nouveaux emplois qu'il va falloir former, des millions d'Européens qu'il va falloir reformer sur des nouveaux métiers. Et donc c'est un projet qui est colossal, et je rejoins ce qui a été dit, on n'est pas du tout dans l'ampleur de ce que l'on a pu connaître dans les précédents projets européens, tels que l'était le passage à l'euro, par exemple. Merci. Elisabeth Claverie, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse sur le fait qu'on n'en est encore pas très loin, en fait, qu'on en est au début du début même? Je ne serais pas aussi mitigée. Tant mieux. Je reprendrais un peu ce qu'a dit Julia au début de cette conférence, hein, parce que je partage à peu près son diagnostic. C'est qu'en fait, ça fait assez longtemps, et moi, si je remonte en arrière, ça fait au moins 20 ans que je lis des stratégies de l'Union européenne sur la question de la transition écologique, sur la question du climat. Et en leur temps, chaque paquet a été ambitieux. Vous regardez les trois paquets climat-énergie, il y en avait un, d'ailleurs Mme Merkel s'en va de la scène européenne. Il faut se rappeler qu'en 2007, lors de la présidence allemande de l'Union européenne, elle nous a tous secoués autour de la table, et ça a été un facteur d'accélération majeur sur les renouvelables. Et à l'époque, c'était au moins aussi révolutionnaire que le Fit for 65 de maintenant. Donc il y a eu des moments de courage, il y a eu des moments d'avancée, toujours politiques. On a toujours besoin d'un engagement politique pour faire avancer la machine communautaire. Et je crois que ça c'est quand même un élément fort. Si on regarde le volet biodiversité, environnement, regardez les projets LIFE, les projets Natura, regardez les résistances qu'il y avait en France sur les zones protégées. Et regardez maintenant comment ces zones sont exploitées de façon touristique. Qui, dans quelle région, dit « Ah, mais ici, vous êtes dans une zone Natura 2000, vous pouvez voir des oiseaux migrateurs ». Donc, soyons positifs. L'Union européenne, elle a avancé, elle a fait des choses vraiment qu'on n'aurait pas pu faire chacun dans notre coin. Elle nous a permis d'avancer collectivement. Ceci dit, ce qui change aujourd'hui avec le Green Deal, et j'en suis ravie, c'est deux éléments. D'abord, c'est la mise en cohérence. Tout ce dont j'ai parlé, énergie, climat, biodiversité, c'était au fond les conseils environnement, c'était sectoriel. Là, on dit l'Union européenne, collectivement, quels que soient les secteurs, doit s'engager dans cette transition. Et cette mise en cohérence, elle est complexe parce qu'on a ces 40 ans d'histoire de construction, que ce soit dans la PAC, dans la politique industrielle. Et donc, c'est sacrément ambitieux. Et puis, il y a un autre volet. Et là, on arrive sur des choses, moi, qui me concernent beaucoup parce que nous, le CIRAD, on travaille sur la recherche agronomique pour le développement dans les zones tropicales, dans les pays en développement, mais aussi dans les départements d'outre-mer. C'est la question de la cohérence du volet interne et externe. Et ça, ça a toujours été compliqué au niveau de l'Union européenne pour le penser. Donc ça veut dire que quand on fait du Green Deal, il faut qu'on pense le volet extérieur. Grosso modo, si on a des normes plus hautes en matière environnementale chez nous, il faut qu'on essaie de faire monter nos partenaires à ce même niveau. Et ça, c'est un élément important. Alors, on fait des choses. Et c'est pour ça qu'il faut reconnaître qu'on fait déjà des choses depuis longtemps. Moi, je citerai juste, pour ne pas être trop longue, deux exemples. On travaille, nous, le CIRAD, sur des financements européens, notamment en Afrique, mais partout dans le monde, sur des projets qui s'appellent DESIRA, qui sont des projets de recherche agronomique pour lutter contre le changement climatique. Et ça a tout son sens en Afrique. Et c'est des projets qui marchent bien. On en fait par exemple sur le cacao en Côte d'Ivoire où on essaie avec l'agroforesterie de limiter la dégradation des sols, de limiter la déforestation, et ça marche parce qu'on a des résultats concrets. Mais si je vous donne le montant de notre portefeuille de projet, bah, c'est 60 millions. On ne révolutionne pas l'agriculture en Afrique avec 60 millions.
Un autre exemple sur les départements d'outre-mer à La Réunion, et cette fois-ci sur des fonds FEDER. Donc, vous voyez, on est sur une autre direction. On n'est pas sur la direction du développement, mais la direction région qui s'occupe des régions ultra-périphériques. On a deux très beaux projets qui sont sur la transition. Alors qu'on des termes un peu techniques, il y en a un qui s'appelle Eclipse, l'autre Kalinov, mais concrètement qui promeuvent une agriculture moins consommatrice d'intrants et surtout moins productrice de gaz à effet de serre. Donc on fait plein de choses, mais là aussi c'est dispersé et c'est pas au bon montant. Donc voilà, et puis peut-être une dernière chose, peut-être un point qui manque quand même. Je veux pas être critique, je suis une grande européenne et le CIRAD est une institution très pro-européenne. Dans notre mandat, on dit qu'on il n'y a pas de politique européenne qu'on ne puisse pas porter. Il y a un élément fort, c'est qu'on pense donc toujours cette articulation volet interne, volet externe. Je crois qu'en même temps que nous construisons notre ambition européenne, il faut associer nos partenaires. Et je pense à l'Afrique. Afrique, continent de demain. Continent économique qui est en train de se développer à une vitesse folle, quels que soient les impacts, les conséquences du Covid. Il faut les associer maintenant. Il faut le construire avec eux, des normes plus ambitieuses, des chemins de croissance conjoints. Et c'est important en termes d'influence, c'est important en termes de poids, parce que quand on ira à l'OMC pour demander de nouvelles règles du commerce international, les avoir ou pas avec nous, ça sera crucial. Merci beaucoup. Pour revenir à la question des institutions et du cadre politique, Yulia Stamm, pourquoi est-ce qu'à votre avis, c'est la Commission européenne qui fait avancer le Green Deal, qui l'a fait avancer, en tout cas jusqu'à maintenant, et pas tellement le Parlement européen ? On ne vous entend plus. Le micro. Est-ce que vous n'avez pas coupé votre micro ? Pendant qu'on essaie de rebrancher Yulia Stamm, je vais poser la même question à Christelle Edelman. À votre avis, pourquoi est-ce que c'est la Commission qui a fait avancer le Green Deal et pas le Parlement ? Alors, ça m'ennuie bien que Julia ne puisse pas répondre parce que je ne suis pas du tout une experte des institutions européennes. Mais non, il me semble que d'abord, la Commission a un pouvoir d'initiative dont le Parlement ne dispose pas au niveau européen. Et puis, comme ça a été dit précédemment, la nouvelle Commission arrivant, elle a lancé une nouvelle dynamique. Et donc, quelque part, voilà, le Green Deal est devenu le programme de la Commission. Maintenant, le Parlement va avoir toute sa place. Et évidemment, là, dans les discussions qui vont avoir lieu sur le paquet Fit for 55, on verra bien que le Parlement va jouer tout son rôle dans les négociations du texte. D'ailleurs, historiquement, on a toujours plutôt vu un Parlement qui avait tendance à être beaucoup plus progressiste, on va dire, là où le Conseil de l'UE avait parfois tendance à détricoter certains des textes, en particulier dans les enjeux environnementaux. Donc je pense que voilà, et la Commission et le Parlement joueront absolument leur rôle dans les prochains mois, voire les prochaines années, évidemment. Peut-être pour ceux de nos auditeurs qui ne sont pas coutumiers du vocabulaire européen, le Fit for 55, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est ? Le Fit for 55, c'est le paquet réglementaire qui est en cours de discussion, sur lequel la Commission vient de proposer. Donc c'est un texte très 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 complet sur lequel une première proposition a été émise au mois de juillet, qui va être discutée au niveau des institutions pendant les prochains mois, et qui vise en fait à mettre en place le contexte réglementaire pour atteindre les objectifs de baisse des émissions carbone à horizon 2030. 2030, l'objectif étant -55% d'émissions carbone, d'où le titre, le nom Fit for 55. Merci beaucoup. Est-ce que Yulia Stamm est de nouveau audible ? Yulia ? Non ? Visiblement, on a perdu Yulia Stamm. Pardon. Elisabeth Claverie, votre avis, quel rôle doivent jouer les parlements nationaux aujourd'hui si la transition est recherchée au niveau européen ? Parce que vous avez souligné le... plutôt optimiste quand même par rapport à certains des autres panélistes. Mais est-ce que les parlements nationaux peuvent jouer un rôle moteur dans cette affaire ou pas ? Le projet est européen, quel rôle peuvent jouer les parlements nationaux ?
Alors, je vais parler de là où je suis, hein, c'est-à-dire d'une institution de recherche. Donc nous, on a des interactions avec les parlementaires nationaux. Ils font appel à nous pour des études en amont des textes, pour des auditions, pour de l'expertise qu'ils n'ont pas. Et la recherche est bien sûr à la disposition de la représentation nationale pour éclairer les chemins possibles politiques. Alors les parlements nationaux, à mon sens, mais c'est mon analyse depuis le CIRAD, ont un rôle beaucoup plus important à jouer dans la fabrication de la règle communautaire que ce qui peut paraître au premier regard. D'abord en amont, les textes communautaires, ils sortent pas comme ça de la réunion des collèges des commissaires. Il y a des consultations formelles des citoyens de plus en plus, et il faut s'en féliciter. Mais il y a aussi des consultations, pas simplement des parlementaires européens, mais des parlementaires nationaux. Et la Commission est ravie d'entendre les avis, les voix et surtout ce qu'on appelle le contexte spécifique, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas à Bruxelles et qui va poser des problèmes dans chaque État, et je le dis même au niveau international, dans les relations que chaque État peut avoir avec des pays tiers. Donc la Commission, elle est friande de savoir en amont, et nous, on le sait bien au CIRAD, on a fait partie de groupes d'experts sur plusieurs textes européens, et ils sont venus nous chercher à la fois parce qu'on est international, avec cette projection au Sud, parce qu'on est français, et qu'on a leur apporté aussi cette sensibilité. Donc je dirais en amont, et ça c'est vraiment au Parlement de s'équiper, et puis en aval, une fois que tout a été négocié entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil, eh bien, il est rare que tout soit d'application directe. Il y a des règlements, et là, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais souvent, ce sont des directives ou souvent, ce sont même des applications plus larges. Et là, ce sont les parlements nationaux, quand il s'agit de décliner au niveau national, qui peuvent avoir leur mot à dire. Donc, je dirais qu'il y a vraiment de la place pour se faire entendre. Et ça va être sûrement le cas beaucoup dans ce paquet Fit for 55, parce qu'il y a quand même des spécificités dans les transitions. On le voit notamment sur l'agriculture, ça va être très très compliqué sur l'agriculture. Et bien sûr, ça ne sera pas la même chose d'appliquer un effort à un pays comme la France ou à un pays avec un secteur agricole très faible. Pourquoi ce sera particulièrement difficile sur l'agriculture ? Parce qu'on est sur des réductions de gaz à effet de serre dans le paquet Fit for 55 qui sont importantes. Hein. Si vous regardez, ça doit être 15 points, c'est pas rien. Et que l'agriculture, c'est pas comme l'énergie. Vous pouvez pas construire un barrage hydroélectrique ou toute une série d'éoliennes. Les solutions techniques vont nécessiter beaucoup de recherche. Ne pas émettre... Alors, sauf si on ne fait plus d'élevage, mais il ne faut plus manger du tout de viande, et je crois qu'on n'y arrivera pas. Si on veut vraiment réduire, il va falloir beaucoup travailler. Alors, c'est notre institution sœur, l'INRAE, qui travaille, mais ça va nécessiter un investissement fort, des efforts notables des agriculteurs européens, mais c'est aussi peut-être des technologies d'avenir, techniques, technologies, savoir, pratiques, qui nous permettront d'être leaders demain au niveau mondial. Mais ça sera compliqué. D'autant que dans la politique agricole commune réformée, je crois que les États membres ont un poids important. Tout à fait. Il y a une déclinaison sous forme de plan national. Mm-hmm. Mais il n'en empêche que notre effort, il est bien commun et qu'il faudra bien que chacun fasse un effort. Jean-Patrick Janich, Isabelle Claverie parlait tout à l'heure des partenaires, des pays du Sud, etc. Est-ce que l'agenda 2030, qui intègre les ODD, je crois, peut influencer l'agenda politique de l'Union européenne ? Est-ce que ça va changer le fonctionnement des institutions ? Vous pensez pas vraiment ? L'agenda 2030, c'est l'agenda des Nations Unies pour le développement, ce qu'on appelle les objectifs du développement durable. Moi, de ma connaissance, quand j'étais de l'autre côté, côté public, c'est que l'agenda 2030 est très influencé d'abord par l'Europe. Et donc, ce n'est pas vraiment l'agenda 2030 qui vient influencer la construction européenne. Ça serait plutôt le corpus sociétal, les enjeux, les ambitions de l'Europe qui ont influencé l'agenda 2030. L'agenda 2030, ce n'est pas quelque chose qui vient du ciel. Il y a des gens qui l'ont négocié. C'est un peu l'impression que ça donne, quand même. Mais en pratique, c'est quelque chose qui est très porté par les Français, par les Allemands, par les Britanniques quand ils étaient encore dans l'Union européenne. L'inspiration... intellectuel de l'agenda 2030, si on regarde bien, c'est très ressemblant à la construction européenne. Après, on a des objectifs futurs, donc on n'est pas nécessairement en ligne avec les objectifs de développement durable aujourd'hui, mais la constitution de l'agenda 2030, je crois qu'on peut dire, c'est quelque chose d'européen avant tout.
Maintenant, si la question c'est est-ce que le programme, la mise en œuvre du programme climat en Europe va modifier le cadre institutionnel, notre manière de fonctionner, etc. Aujourd'hui, on a un commissaire chargé, ou même vice-président chargé du climat à la Commission européenne. Il y a une DG climat. Donc institutionnellement, il y a les outils, ils sont là. Il y a d'autres sujets qui sont les prises de décision, etc. Mais fonctionnellement, il y a des gens déjà. Donc le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est d'un côté ce paquet réglementaire qui est en train d'être négocié, et puis de l'autre côté, des moyens à déployer. Encore une fois, vous avez compris ma réticence sur le plan de relance, enfin, qui justement, je viens de le dire, c'est un plan de relance, c'est pas un plan climat. Donc la question, c'est l'étape d'après, qu'est-ce qui va se passer après? Et si on se prend à rêver, il faudrait une stratégie collective, européenne, sans tenir compte des frontières, parce que l'émission de carbone, il n'y a pas de frontières particulières. Désolé d'enfoncer une porte ouverte, mais là, c'est une évidence. Et ce qui veut dire aussi qu'on ne va pas allouer les fonds de lutte contre le changement climatique, comme on l'a fait pour le plan de relance, en fonction de la population, du produit intérieur brut et du taux de chômage. Ce ne sont pas les sujets. Donc, dans une vision théorique et sans frottement politique, et je sais bien que c'est beaucoup plus complexe, on devrait identifier collectivement les leviers les plus forts et allouer nos moyens limités, j'insiste. Depuis, on a eu deux crises mondiales, plus une crise de la dette souveraine sur les 10 dernières années, donc les moyens sont très limités. Donc, on devrait allouer nos moyens limités collectifs sur les leviers les plus forts. Et concrètement, je ne vais pas faire tous, mais un des leviers les plus forts, c'est les centrales thermiques, qui ne sont pas en France, qui ne sont pas en Espagne, qui ne sont pas en Italie, elles sont en Allemagne, elles sont dans l'Europe de l'Est en général et jusqu'à l'Europe du Sud-Est. Donc c'est là que l'effort, par exemple, devrait être fait. Mais vous voyez, dans le cadre du plan de relance, c'était très difficile de faire porter l'effort sur l'Allemagne, qui était le pays qui, finalement, s'en sortait le mieux. Donc politiquement, il y a une grosse difficulté encore dans l'état actuel de la construction européenne à mettre en œuvre de manière massive, parce que là, on parle pas de petites expériences qui marchent bien, mais on parle de projets gigantesques à l'échelle d'un continent qui demandent des moyens considérables. Il est difficile politiquement d'allouer des fonds considérables dans des zones qui sont perçues comme riches et sans besoin particulier. Après, c'est comment on met en œuvre ça? Pour revenir à la question institutionnelle et structurelle, ma réponse était, je crois, assez claire. Pas de nouvelles institutions, c'est pas le sujet. En revanche, une administration, comme on dit en France, de mission. Avoir une task force dédiée, par exemple, sur un sujet, sur un levier dédié. Les centrales thermiques, mais il y en a d'autres sujets. Ça pourrait être l'agriculture, qui est un sujet français, pour le coup. Puisque la France émet... l'agriculture française, c'est 17% des émissions des émissions agricoles de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Mais avoir cette administration resserrée, avec un objectif clair, une date limite dans le temps, une date d'extinction. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire perdurer une institution ad vitam aeternam avec des moyens, à la fois pour agir, mais aussi pour compenser. Parce que changer toute la filière énergétique d'Europe centrale, pour résumer géographiquement, il va y avoir beaucoup de perdants. Beaucoup de gens dont il va falloir compenser l'emploi, travailler sur les reconversions, etc. Donc cette agence temporaire, si elle avait à la fois des moyens d'action massif pour faire de la transition et pour compenser les conséquences de la transition, voilà, ça c'est une stratégie européenne. Espérons. Christelle Heidemann, il y a dans la construction européenne un principe de subsidiarité. Est-ce qu'il est applicable vraiment dans le cas de la transition écologique et des grandes ambitions de l'Union européenne ? Alors, je pense que c'est à la fois totalement applicable et en même temps, on voit bien que ça peut aussi être un des freins à l'avancée au niveau européen. Maintenant, à partir du moment où on va avoir besoin de faire, et comme ça a été dit, on va avoir besoin de faire à la fois du top-down et du bottom-up, c'est-à-dire qu'il va falloir utiliser toutes les bonnes initiatives locales, et on voit bien que la prise en compte des enjeux nationaux, mais même plutôt régionaux à l'intérieur des nations,
est absolument indispensable pour maintenir le lien social, pour travailler sur la formation, pour embarquer, on va dire, pour tenir compte des spécificités d'écosystèmes industriels ou d'écosystèmes locaux. Et en même temps, on a besoin absolument de ces grandes lignes directrices pour faire avancer globalement et de façon systémique l'Europe. Si je prends l'exemple du monde de l'énergie, dans lequel évidemment on est très impliqué, on voit bien qu'à la fois on a besoin de grandes lignes directrices. D'ailleurs, par le passé, c'est ce qui a été fait pour faire progresser les énergies renouvelables. Maintenant, on a bien vu que chaque pays, en fait, a défini ses politiques tarifaires. Et j'ai envie de dire le plus important, d'ailleurs, dans le besoin de forte cohérence européenne, c'est surtout pour s'assurer qu'on va créer des écosystèmes industriels et que finalement, la politique industrielle européenne bénéficiera des enjeux de mutation. Par le passé, ça n'a pas été le cas. Si on regarde les énergies renouvelables en particulier, l'Europe a largement financé la baisse des coûts, que ce soit des énergies solaires. Ce n'est pas le cas dans l'éolien. Et aujourd'hui, finalement, les industriels de la production d'énergie solaire sont plutôt asiatiques. On voit aujourd'hui qu'à l'inverse, il y a tout le débat sur le véhicule électrique une alliance pour les batteries, et on voit arriver massivement des investissements en Europe pour la production de batteries pour les véhicules électriques. Donc on a vraiment besoin à la fois de cette subsidiarité des nations et puis bien sûr, enfin des États bien sûr et des régions. Mais on a besoin de cette grande ligne directrice, en particulier si on veut s'assurer d'une politique industrielle cohérente. Et par ailleurs, ça a été dit dans les échanges précédents, de s'assurer aussi que vis-à-vis des partenaires de l'Europe, en dehors de l'Europe, on ait une approche cohérente. Je vous vois approuver, Jean-Pierre Ganich, vous êtes d'accord avec cette idée, ou cette vision de la subsidiarité ? Pardon. On peut parler de la subsidiarité, mais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. On va faire beaucoup d'efforts en Europe. Et j'espère qu'on va arriver à la cible et qu'on sera en 2050 à zéro. Mais l'Europe, c'est 9% des émissions mondiales. Donc il reste 91% ailleurs. Donc c'est bien qu'on nettoie, soit propre chez nous, mais il y a un problème mondial dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Et un des leviers que je vois pour ce problème mondial, c'est quand même la place de l'Europe dans le commerce international. On représente 9% des émissions, mais 31% du commerce international. Donc je ne parle pas nécessairement de taxes carbone aux frontières, mais il y a sûrement des mécanismes à avoir en tête et qui sont sans doute peuvent poser beaucoup de questions à certaines filières. Mais il y a sûrement des choses à faire sur ce levier qui est quand même le plus fort levier européen sur le comportement du reste du monde, sur les 91 autres pourcents. Et le commerce international qui est une compétence communautaire, justement. Qui est une compétence communautaire et qui est un sujet clairement commun. Un peu comme le climat est de nature européenne par définition, le commerce international l'est aussi. Ce qui se sent dans cet nombre de négociations d'accords de libre-échange. Tout à fait. Alors, pour revenir à la subsidiarité, il est évident que l'alignement des acteurs dont je parlais se fait au niveau européen, mais avant tout, il doit être au niveau national. Je reprends l'exemple de l'euro, où j'étais quand même très, très impliqué il y a longtemps. L'euro, avec cette date limite au 1er janvier 1999, a fait, et puis 1er janvier 2001 ensuite pour l'euro fiduciaire, a fait que tous les acteurs se sont organisés par filière, par sous-filière, par région, se sont mis autour d'une table, se sont fixés des objectifs, ont créé une feuille de route, des étapes, ont rendu des comptes, se sont regroupés en comité national, en comité régional, en comité par filière, avec les pouvoirs publics qui avaient établi le corpus réglementaire, mais après étaient des accompagnateurs des filières. Ce n'était pas les pouvoirs publics qui présidaient les comités, c'était chaque filière qui s'auto-présidait et qui s'auto-organisait. Et cette idée-là des pouvoirs publics à côté, facilitateurs, incitateurs, compensateur, si jamais il y a des conséquences, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête pour ce prochain projet qui sera gigantesque. Donc, au niveau national, la subsidiarité, c'est l'alignement des acteurs. Après, dans un monde théorique, dans des projets européens par le passé, il y a eu des mécanismes de surveillance collective.
On pourrait imaginer dans un monde théorique, encore une fois, je vois bien les conséquences pratiques mais, et politiques surtout, on pourrait imaginer une surveillance européenne sur les plans nationaux de mise en œuvre de la lutte contre le changement climatique. Un semestre européen du climat. On peut imaginer ça, on peut imaginer au mois d'avril, on dépose les programmes de convergence ou de stabilité selon que vous apparteniez ou pas à la zone euro, et parallèlement, vous en êtes de votre convergence vers l'objectif commun. Aujourd'hui, on est dans une situation où aucun pays d'Europe n'est aligné sur l'objectif 2030, on n'y est pas. Aucun n'y est aujourd'hui. Même les plus vertueux sont encore au-dessus. On peut très bien imaginer une réflexion collective où ceux qui sont les plus proches de la cible visent plus bas que la cible, qu'il y a un effet de moyenne, qu'il y ait quelque chose de collectif, et que ceux qui sont les plus loin de la cible s'engagent à arriver au moins aux deux tiers de la cible. On peut imaginer quelque chose comme ça, théoriquement. Je ne dis pas que ça aura lieu. Et que politiquement, ce soit vendable aux États membres. C'est la difficulté. S'il n'y a pas de compensation, ça va être compliqué. Elisabeth de Clavery, comment assurer les politiques européennes qui concernent des domaines comme l'économie circulaire, par exemple, tout en respectant la diversité des lois nationales et des possibilités surtout de chaque pays? C'est compliqué. Il y a déjà des dispositifs européens qui ont bien marché, notamment quand il s'agissait de produits dangereux pour la santé. Parce que là, on a été à une conjonction de politiques, les déchets notamment, hein, vous savez, les déchets électriques qui, laissés dans la nature, peuvent polluer l'eau, avec un impact notable sur la santé. Donc là, on a eu à la fois des règles européennes très claires, un recensement, une application et des lois nationales qui sont parfois allées au-delà des lois européennes, comme cela est possible dans ces domaines-là. Donc je dirais que sur des secteurs où il y a une urgence vitale, on est allé vite. Alors sur le reste, on va un peu moins vite. Et peut-être je vais aller sur mon secteur, qui est le secteur quand même de l'agriculture, pour rappeler quelques chiffres. Rappeler qu'au niveau mondial, on a 40% de pertes et gaspillage. Donc 40% de ce qui est produit n'arrive jamais au consommateur. Enfin, n'est jamais consommé, pardon. Avec côté, et ce n'est pas un phénomène européen, c'est un phénomène mondial, avec des différences par zone. Mais grosso modo, dans les pays développés, c'est surtout pour aller jusqu'au marché qu'il y a des pertes. Dans tout ce qui est stockage, distribution. Il y en a aussi en Europe, ne nous y trompons pas. Et côté européen, c'est surtout distribution et consommation, c'est-à-dire qu'on jette et que la grande distribution, ou la distribution tout court, jette. Ça représente, j'avais noté, on vient de faire une étude, on vient de relayer, si vous allez sur le site du CIRAD, une étude qui dit que c'est 10% des gaz à effet de serre mondiaux. Pas l'agriculture, les pertes et gaspillages dans l'agriculture. Donc vous comprenez que la question du recyclage de l'économie circulaire, elle a un rôle très fort. Il faut savoir que la plupart de ce qu'on mange, des produits agricoles, peuvent être recyclés. Alors recyclés, vous le savez tous, sous forme compost, etc. Mais recyclés aussi sous forme d'énergie. Ça, on le fait beaucoup en Afrique. Et donc, ça empêche de brûler d'autres combustibles, en l'occurrence beaucoup de bois en Afrique, pour cuire, pour même des procédés industriels. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire. Le sujet, c'est comment, et je vais vous dire tout de suite, je n'ai pas la solution, mais je vous pose la question. C'est dommage. C'est comment est-ce qu'on peut se servir de toutes les initiatives qu'il y a? Il y a des initiatives partout en France sur ce sujet, des circuits courts, du recyclage, de l'économie circulaire. Comment est-ce qu'on peut les garder vivantes? Parce qu'on a besoin de l'adhésion de chacun, tout en ayant un cadre global. Et pour l'instant, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a eu la loi Egalim qui pose des règles. Le CIRAD a ses plateaux techniques à Montpellier, où il y a un énorme dynamisme, que ce soit au niveau des cantines, des associations, pour vraiment avoir le minimum de pertes. Et la vraie question, c'est comment on laisse cette marge de manœuvre? C'est même pas au niveau national, c'est au niveau local. Comment on laisse les acteurs locaux trouver les bonnes solutions tout en ayant une loi qui encadre et qui, moi je dirais des mots, qui permettent de rémunérer cet effort, qui permettent de valoriser cet effort, qui permettent que quand on est un distributeur et qu'on décide de ne pas avoir de déchets et d'aller chercher les moyens de recycler, on a une rémunération de l'État. Donc c'est aujourd'hui compliqué. Je dirais que sur ces sujets, et si j'ai l'occasion, j'y reviendrai, mais sur ces sujets environnementaux, il y a à la fois un besoin de réglementation et en même temps, ça ne marche que si chacun est impliqué. Et pour que chacun soit impliqué, il faut laisser de la place à l'initiative. C'est ce qu'on disait bottom-up, top-down.
et on est sur des équilibres qu'on n'a pas eu l'habitude de développer. Merci. Christelle Edman, je crois que Julia Stam n'est toujours pas atteignable. Christelle Edman, est-ce qu'on voit déjà se dégager, dans certains domaines, des solutions nationales pour un changement au niveau européen, notamment dans le domaine qui est le vôtre? Oui, alors, bien sûr, et je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit, en fait, parce que l'agriculture ou la consommation, on va dire, alimentaire est massivement inefficace, mais les systèmes énergétiques, la façon dont on utilise aujourd'hui des énergies est aussi massivement inefficace, parce que d'abord, les réseaux de distribution d'énergie, ils ont été conçus de façon non optimisée entre le point de consommation et le point de production. Et les nouvelles technologies, le digital, vont permettre de massivement améliorer les choses. Des exemples de solutions, par exemple la France, dans le monde du bâtiment et en particulier des bâtiments tertiaires, a pris des mesures qui sont bien plus avancées que ce qu'on trouve. Les Pays-Bas également, en donnant par exemple des orientations très très claires à horizon 2030, 2040, 2050, sur ce que doit, comment, en quoi les bâtiments tertiaires vont devoir baisser leur consommation. Et des solutions existent pour le faire. Et la solution numéro un, c'est d'abord de mesurer la performance énergétique d'un bâtiment. Et à partir du moment où on mesure, mécaniquement, on va aller gagner 10, 20, 30% de consommation. C'est vrai aussi dans le monde du bâtiment et du logement. Il y a plein d'études qui le montrent. À partir du moment où les citoyens se rendent compte en fait de la façon dont l'énergie est consommée dans leur logement, se comparent avec les bâtiments dans leur quartier, et c'est là où la notion d'écosystème local devient très très importante. On voit que les gens ont envie de consommer local, les gens ont envie de se comparer à quelque chose qui leur parle. Mais à partir du moment où ils se rendent compte de leur façon de faire, ils ont envie de faire progresser les choses, et ça a un impact mécanique. Et donc, je crois absolument à ce qui a été dit. S'il y a 10% des émissions carbone mondiales qui sont liées au gaspillage quelque part dans les chaînes de valeur alimentaire, il y a au moins la même chose, si ce n'est plus, qui est dans les chaînes énergétiques. Si on regarde maintenant dans les exemples de solutions nationales, on voit bien que les pays nordiques ont un réservoir de puits de carbone bien plus important que le reste de l'Europe. Et c'est là où l'approche européenne va avoir tout son sens. C'est qu'il va falloir utiliser le meilleur de certaines parties de la géographie européenne au service de l'ensemble du territoire. Mais la même chose est vraie dans le monde de l'énergie. Les éoliennes offshore, la façon de produire, pareil, de l'électricité à partir de fermes solaires, on voit bien que l'Europe du Sud va produire de l'énergie solaire, que l'Europe du Nord, en tout cas l'Europe côtière, pourra produire de l'énergie ou de l'électricité avec les éoliennes. Et on voit bien que c'est que le système de distribution d'électricité globale qui assurera que le système fonctionne aux bornes de l'Europe. Donc oui, il va falloir utiliser le meilleur de ce que chaque pays peut faire pour ensuite le mettre au service de l'ensemble du territoire. Elisabeth Clavry, même question de peut-être dans votre domaine. Est-ce qu'il y a des solutions nationales qui peuvent être utiles au niveau européen, qui seront recopiables ou coordonnables plutôt, comme le disait Mme Heidemann à l'instant? Alors, il y en a plusieurs. Je vais peut-être aller sur un sujet précis pour pas m'éparpiller. La déforestation importée. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Au CIRAD, on a une unité propre de recherche qui s'appelle Forêts aux sociétés, qui est une des meilleures unités mondiales de recherche sur les forêts tropicales, parce qu'on a 60 ans de mesures, que ce soit dans le bassin du Congo, dans l'Amazon ou dans les forêts d'Indonésie. Donc on est vraiment un gardien des données et on étudie à la fois les espèces, mais aussi l'exploitation de ces forêts. Donc on est sur les deux volets, conservation, exploitation durable des forêts. Et ça nous donne quand même un regard assez aigu. On a été embarqué dès le début dans l'initiative française sur la lutte contre la déforestation importée, qui a donné lieu à une stratégie nationale. Et d'ailleurs, on a des chercheurs dans le conseil scientifique. Et donc, quand même, c'est la France qui a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On fait attention à nos forêts, on investit beaucoup dans des initiatives pour protéger les forêts tropicales, on a mis de l'argent dans des dispositifs qui s'appellent CAFI, qui protègent les forêts. Enfin, on est sur la forêt, la France est engagée, au moins politiquement, peut-être pas au moins financièrement autant que les pays nordiques, mais enfin, on a toujours été présents.
Et en même temps, on ne comptait pas, on faisait comme si le commerce international n'existait pas. Or, quand même, le commerce international est une source, et on l'a dit tout à l'heure, la faible population européenne, et par contre, effectivement, grosse part dans le commerce international, et les mêmes Européens qui voulaient protéger les forêts, qui investissaient dans la préservation de ces puits de carbone et de ces merveilleux réservoirs de biodiversité, ben, ils n'étaient pas très actifs sur tout ce qui était commerce. Et là-dessus, effectivement, il y a eu ce mouvement. Et ça a été une alliance de quelques pays européens dans le cadre de la déclaration d'Amsterdam pour travailler sur la déforestation importée de façon volontaire. Et on a travaillé dessus en se posant la question de comment on travaille avec les pays en question, avec des questions compliquées, l'huile de palme, etc., mais aussi des questions très, très simples, exportation de bois précieux, bois illégal, un peu comme on l'a fait, si vous vous souvenez, une vingtaine d'années sur, à un moment, les exportations dans les pays en crise et tout ce qui avait été fait sur les minerais, les diamants, etc. Il y avait eu un processus, le processus de Kimberley, qui avait été pareil et qui avait été de dire, regardons entre nous ce qu'on peut faire. Et donc, c'est vraiment les États qui ont pris leurs responsabilités, en l'occurrence la France, et il faut le noter. Et aujourd'hui, on est une source d'inspiration, et une source d'inspiration, c'est positif. Moi, je préfère dire une source de pression. Et une source de pression, c'est important, parce que je crois que les alliances de like-minded, ceux qui veulent bien faire, les coalitions, c'est bien, ça permet de donner l'équation du problème, mais à un moment, il faut la réglementation. Donc, il faut la carotte et le bâton. Et je dirais que sur ces questions-là, la France a poussé du côté de la contextualisation intellectuelle, du dispositif de coopération. Et maintenant, on espère que la France va prendre le leadership pour une réglementation qui sera compliquée parce qu'il faudra passer par l'OMC, mais qui permettra vraiment d'embarquer. On a les certifications, on a la volonté, il faut les dispositifs financiers de coopération avec les pays concernés et on peut vraiment jouer un rôle fort pour freiner la déforestation dans le monde. Donc voilà, une idée française, pas que française, mais quand même largement française, qui a fait un beau chemin à Bruxelles. Très bien, espérons qu'il y en ait d'autres qui viennent, pas seulement de France d'ailleurs. Nous arrivons pratiquement au terme de cette heure de débat, pour laisser du temps à des questions éventuellement. Jean-Patrick Yannick, dès qu'on parle de transformer l'Union européenne, de faire évoluer son comportement, ses politiques, etc., on se dit « Ah, il faudrait peut-être changer la mécanique et, par exemple, rouvrir les traités pour avoir une nouvelle mécanique plus belle et qui fonctionne mieux et qui soit plus efficace, etc. » Est-ce qu'à votre avis, en l'occurrence, rouvrir les traités servirait ou risquerait de desservir la transition écologique ? Alors, c'est une vaste question, ça. Le mot-clé, c'est l'efficacité, dans ce que vous avez dit. Si on change les traités, les idées qui sont dans l'air, c'est le mode de décision, le nombre pléthorique de commissaires à la Commission européenne, qui fait qu'à, maintenant, on est 27, à 27, c'est difficile de prendre une décision dans un organe exécutif. Il restera le Conseil, de toute façon. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il faut regarder ce qu'on a déjà. On a le traité de Lisbonne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et dedans, il y a déjà beaucoup de choses qu'on n'utilise pas, mais il y a déjà beaucoup de choses. Qu'on n'utilise pas pourquoi, pardon ? Parce que politiquement, on n'est pas encore mûr, mais dedans, vous avez par exemple une clause de flexibilité qui existe d'ailleurs depuis le traité de Rome. Simplement, elle a été renforcée. Une clause de flexibilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un instrument n'est pas prévu par le traité, mais qui correspond aux objectifs de l'Union européenne, on peut le créer. Pas besoin de faire une réforme constitutionnelle. Pardon. Donc, vous voyez le lapsus français. Pas besoin de faire une réforme institutionnelle pour adopter ou créer de nouveaux instruments. Et justement, dans le traité de Lisbonne, vous avez l'objectif de lutte contre le changement climatique qui a été inscrit. Donc vous avez la mécanique institutionnelle, elle est déjà dans Lisbonne. Dans Lisbonne, vous avez la possibilité de faire des coopérations renforcées. On ne l'utilise pas, mais bon, avec Lisbonne, si 9 États sont d'accord pour mettre en œuvre une coopération renforcée, qui va poser beaucoup de questions institutionnelles par ailleurs, mais parce qu'il y a le problème de contrôle par le Parlement, etc., à 27 d'une coopération à 9, enfin bon, des complications sans fin, mais vous l'avez avec Lisbonne. Et le fond du sujet, je vais vous dire,
et tant de formations françaises. On a un fétichisme quasiment de la loi fondamentale, de la Constitution. Et j'ai vécu l'échec de la Constitution européenne du référendum de 2005. Et je pense qu'il ne faut pas y revenir. Parce que, de manière... En Europe, le texte sera de toute façon complexe. Et on va demander aux gens de voter sur un texte qu'ils ne vont pas lire parce qu'il est d'une technicité extrême. Et même les techniciens ont du mal à exactement le comprendre et à l'interpréter. Donc ce vote sur un texte qu'on appellerait texte fondamental, mais qui est en fait une succession de une technicité très, très importante et qui fait que les gens ne peuvent pas se l'approprier, je pense que ce n'est pas nécessairement le bon chemin. Et ce n'est surtout pas ce dont on a besoin pour mettre en œuvre une politique climatique en Europe. Maintenant, de quoi on a besoin ? La première chose, c'est l'appropriation par les populations. Intellectuellement, tout le monde est d'accord. Il faut lutter contre le changement climatique, sauf quelques climato-sceptiques, mais je ne pense pas qu'ils soient les plus importants maintenant, mais une appropriation concrète. Et c'est pour ça que je parlais de l'alignement des acteurs, c'est pour ça que je parlais du travail par filière, c'est pour ça que je disais qu'il faut qu'il y ait des feuilles de route concrètes, On n'ait plus l'impression que ça vienne de Bruxelles, mais que chacun s'est approprié, connaît l'objectif et connaît sa feuille de route et est responsable de sa mise en œuvre. Et puis l'autre sujet, puisque vous parlez d'un sujet, un vaste sujet, la réforme des traités, l'autre sujet, c'est le récit commun. Et je pense que le récit commun européen qui manque, on est tous d'accord, c'est pas un récit national comme surtout on ne peut pas le décréter. Ce qui manque, c'est ce récit commun et la lutte contre le changement climatique suffira sûrement pas à faire ce récit commun, mais ça sera une des briques. Et ce que j'espère bien, c'est qu'on arrive à construire autour de ça. Et je pense que c'est l'idée originelle, en juillet 2019, de la Commission, de s'appuyer là-dessus pour créer un récit collectif européen. Il faudra voir si la consultation des citoyens qui est en cours permettra de favoriser ce récit européen. J'ai l'impression qu'elle est assez discrète pour l'instant, la consultation des citoyens européens, en tout cas en France. Merci beaucoup. Je crois que nous avons une question. Je vérifie avec les personnes qui s'occupent de la technique. Est-ce que nous avons bien une question d'auditeur ? Je vous en prie, la parole est à vous. Oui, bonjour. J'ai une question par rapport à... en politique, la prospérité est encore majoritairement liée à la croissance du PIB, mais aujourd'hui, beaucoup de débats portent sur le fait de se détourner de cet indicateur pour d'autres indicateurs environnementaux, sociaux, IDH. Mais si on se détourne de la croissance du PIB comme indicateur, comment va-t-on pouvoir durablement financer les systèmes sociaux, économiques et écologiques des pays européens, notamment en cas de décroissance possible, et si on imagine qu'il y a une augmentation démographique en même temps. Comment ça peut se... Est-ce qu'il y a des réflexions pour réfléchir à tout ça ? Alors, est-ce que l'un des trois panélistes a envie de répondre à cette question ou se sent inspiré pour répondre ? Elisabeth Clavry, je vous en prie. Je suis très loin puisqu'on travaille sur les pays en développement, mais il y a plein de réflexions quand même, juste pour donner quelques références. C'est le PNUD, donc qui est l'organisme des Nations Unies pour le développement, tous les ans publie un rapport et cette année, il a publié un rapport sur l'Anthropocène et il a publié pour la première fois son fameux indicateur sur le développement humain. Ça fait la première partie du rapport et puis il y a une deuxième partie qui est un indicateur sur le développement humain corrigé des données environnementales, c'est-à-dire corrigé du coût. Ça a coûté combien pour tel pays ? Donc chaque pays a un indicateur développement humain. Bien sûr, l'Europe, on est dans les premiers, mais sur les émergents, c'est très étonnant de voir les différences. Et donc on le corrige de qu'est-ce que ça a coûté en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de dégradation environnementale. Et c'est très intéressant. Et vous verrez que, par exemple, des pays d'Amérique latine, ils éclatent complètement. Vous avez des pays qui ont choisi une voie durable, comme le Costa Rica, qui monte quasiment aux pays européens. Et vous avez, à l'inverse, des pays, d'autres pays qui ont des activités minières ou... voilà, plutôt Colombie, etc., qui vont baisser. Et donc, il y a cette réflexion
Et si on prend la richesse, il y a beaucoup de façons de comptabiliser la richesse globale. Et peut-être un deuxième indicateur, cette fois-ci, qui a été développé par la Banque mondiale, c'est l'indicateur justement de... C'est un indicateur... Ils ont l'habitude de publier ce qu'ils appellent « doing business ». Vous savez, c'est là où il faut investir. Et donc là, ce n'est pas très environnementally friendly. Et ils ont développé un autre indicateur sur justement le capital humain et qui tient compte... à la fois de l'investissement dans les systèmes éducatifs, les systèmes sociaux, et donc la durabilité de ces systèmes. Et là, par contre, il n'y a pas l'aspect environnemental. Donc vous voyez, partout, on réfléchit à la question que vous posez, qui est extrêmement pertinente, qui est comment on va, si on change de modèle et si on change de normes de comportement, c'est-à-dire de normes de mesure, c'est-à-dire le PIB, qu'est-ce qui va nous guider dans nos politiques publiques? On a besoin d'être guidé, on a besoin de chiffres. Et donc, on est en train de définir ces indicateurs de triple durabilité économique, pouvoir financer ce qu'on veut comme niveau de vie, social, qui est une certaine équité, vous parliez de protection sociale, et environnementale. Donc, la réflexion, elle est en cours, et ça, c'est vraiment intéressant, et c'est une question que tous les dirigeants de la planète se posent aujourd'hui. Christelle Edman, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette question des indicateurs ? Non, je pense que ça justifierait une conférence pour adresser le sujet avec plein de niveaux de point de vue, etc. Non, c'est vraiment une très très bonne question et un vaste sujet. Vraiment pas quelques petits indices, un petit pitch de ce que vous diriez dans la conférence. On voit bien, alors dans le monde de l'énergie en tout cas, on aura réussi lorsqu'effectivement la croissance du PIB ne sera pas totalement corrélée à la croissance des émissions de CO2 dans les pays. Or, c'est encore le cas dans beaucoup des pays des nouvelles économies. Mais on commence à voir cette décorrélation qui arrive avec l'arrivée des énergies renouvelables, etc. Donc, c'est un des enjeux principaux, sachant que je ne crois pas du tout à une transition qui se ferait avec une décroissance, puisqu'on aurait des problèmes sociaux énormes. Donc, la question, elle est là, c'est-à-dire comment... On mène cette transition environnementale d'un côté, tout en menant en même temps la transition sociale, la transition de nos modèles de société qui permettront de maintenir des niveaux acceptables et surtout une cohésion sociale entre ceux qui sont du bon côté de la barrière, on va dire, et ceux qui doivent passer de l'autre côté de la barrière. Jean-Patrick Yannick, vous avez beaucoup insisté tout à l'heure dans vos propos sur la question de la compensation. Et notamment de la compensation pour les perdants, ceux pour qui la transition écologique va être difficile. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus? Et à votre avis, comment peut s'articuler le niveau national et le niveau européen sur cette question des compensations? Alors, en dire un peu plus, c'est vaste. je prenais l'exemple des centrales thermiques, mais on peut imaginer tous les travailleurs de l'automobile. Est-ce que tous vont être convertissables, pardonnez-moi le mot, dans l'automobile électrique? C'est pas une évidence. Les compétences demandées dans l'automobile électrique seront plus digitales. Ce seront des compétences qui ne sont pas nécessairement celles qui sont actuellement sur les chaînes de production. La compensation sur les travailleurs dans les industries d'extraction ou de production d'énergie thermique, on peut chiffrer combien ça coûte. La question, c'est est-ce que ça repose simplement sur le modèle national ou il y a une compensation européenne, sachant que l'effort collectif porte sur une région donnée. L'articulation, elle repose sur le modèle européen. Est-ce qu'il y a une solidarité européenne sur ce sujet-là qui a l'air d'être le sujet collectif ou pas? Je n'ai pas la réponse. Si vous me demandez ce que je pense, oui, ça, je crois que c'était implicite, mais... On ne la voit pas se dessiner. On ne la voit pas se dessiner, voilà. C'était ça le sujet. Très bien. Un autre sujet qui n'a pas été évoqué de façon très transversale, enfin superficielle, c'est la question de la fiscalité. Tout ça, la transition écologique demande de l'argent, demande des moyens budgétaires. La fiscalité, pour l'instant, c'est une compétence nationale, essentiellement. On ne peut pas dire que l'Union européenne ait beaucoup de compétences en matière de fiscalité auprès des citoyens, en tout cas, aux entreprises. Est-ce que cette articulation-là est durable ou pas? Est-ce que c'est possible de continuer avec des coûts importants, qui risquent de l'être de plus en plus, et une fiscalité, elle, qui reste décidée essentiellement au niveau national?
C'est pour moi. C'est pour celui qui veut. Pour celui qui veut. Celui ou celle qui veut. La réponse est dans la question. Évidemment, vu la taille des montants à lever, il faut qu'il y ait des ressources autonomes européennes et une taxe, une forme de taxe carbone en Europe finançant l'effort collectif apparaît plutôt de bon sens. Mais pour l'instant, politiquement, on ne sent pas un grand intérêt pour la fiscalité. On est déjà à une pression fiscale maximale. Donc, rajouter encore une couche pour un échelon supérieur, c'est évidemment politiquement un peu difficile. Ouais. Elisabeth Clavry ? Oui, peut-être pour ajouter un petit regard international. Bien sûr. La transition, il faut que cette transition, on l'initie chez d'autres partenaires. On l'a vu à la fois parce qu'on est un petit... Enfin, notre population est limitée et donc si on regarde les 50 prochaines années, non, au-delà des grands émergents qui sont de grands émetteurs, il faut vraiment penser, et je reviens encore à l'Afrique, parce que c'est là où il y aura la moitié de la population mondiale, c'est là où il y aura du développement économique et donc c'est très important de les embarquer sur le bon chemin dès maintenant. Et il va falloir des ressources. Il va falloir des ressources. Ces pays payent quand même aujourd'hui le prix de notre action. Hein. L'Afrique de l'Ouest, alors je parle de l'Afrique de l'Ouest parce que c'est le pays qui est le plus touché aujourd'hui. Les études qu'on a sur le changement climatique, ils ont tout. Ils ont l'érosion côtière qui détruit des villes intégralement. Regardez le Sénégal. Ils ont bien sûr la dégradation des sols, l'aridité et des températures extrêmes, mais ils ont aussi des inondations meurtrières. Donc, eux, ils ont un impact très fort, un impact sur leur agriculture qui emploie plus de la moitié de leur population, qui est extrêmement fort. Et on va leur demander de faire la transition pour le faire tous ensemble, parce que ça a du sens qu'au niveau global, cette histoire. Sinon, tout ce qui est polluant qu'on élimine en Europe, eh bien, ça va se faire ailleurs si on ne fait quand même pas attention. Il faudra quand même, à un moment, penser à l'accompagner financièrement. Ça ne sera pas possible autrement. Et il faut le penser en même temps qu'on le met en place. Il ne faut pas penser d'abord à un accord global, puis au financement. Ça a été un peu le travers de l'accord de Paris, qui est un très bel accord, et qui est un accord, je dirais, inespéré il y a 20 ans. Mais on a eu les 100 milliards d'un côté, et puis l'accord. Il faut penser ensemble les moyens de cette transition. Et donc, il faudra des ressources, et des ressources aussi européennes. Donc, la question des ressources propres de l'Union pour ses activités aussi de partenariat et de coopération, elle va se poser. Christelle Edman, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet des ressources financières et des moyens de financement ? Beaucoup a déjà été dit. Je rajouterais peut-être juste un point qui est qu'en tout cas, quand on regarde en particulier le continent africain, ou en tout cas les nouveaux modèles de production d'énergie, on voit qu'on sera beaucoup plus dans des modèles décentralisés. Et qu'un des sujets, hein, d'ailleurs, dans les besoins de financement, ce sera aussi de prendre en compte comment on va accompagner des modèles qui seront beaucoup plus décentralisés, avec des besoins d'investissement qui seront beaucoup plus petits et qui, quelque part, du coup, sont moins faciles à catalyser et à accompagner par des grands programmes de financement. Et ensuite, bien sûr, il faut un prix au carbone si on veut pouvoir regarder au niveau mondial et faire en sorte que les politiques... des industriels ou en tout cas des acteurs internationaux soient prennent en compte les externalités carbone. Merci. J'ai une question qui m'est arrivée, je ne sais pas quelle est celle des panélistes qui souhaiteraient répondre. Est-ce que la DG Climat, puisque c'est elle qui, au sein de la Commission européenne, porte ce sujet, est-ce qu'elle peut le porter, ou est-ce qu'elle le porte déjà, est-ce qu'elle peut le porter davantage au niveau non seulement européen, mais au niveau mondial ? Elisabeth Clavry, par exemple. Oui, alors... En fait, elle cherche à le faire, mais aujourd'hui, elle n'a pas... Je vais revenir, parce que l'argent, à un moment, c'est le nerf de la guerre. Elle n'a pas de crédit d'intervention extérieure. Les crédits d'intervention extérieure, ils sont à la DG INTPA, l'ancien DG DEFCO, avec des sommes qui sont quand même pas négligeables. Hein. Sur la prochaine programmation en cours, on est presque... on doit être à une centaine...
Alors, j'ai pas vu les derniers chiffres, mais enfin bon, je veux pas donner des chiffres faux. Enfin, c'est une programmation quand même assez ambitieuse, et donc les moyens de coopération, c'est aussi les projets, c'est ce qui a été dit au début, la capacité à faire des projets, et cette capacité à faire des projets, elle est ailleurs. Donc on a des forces qui sont un peu dispersées, et c'est ça que normalement le Green Deal, avec la position du vice-président, doit permettre. De dépasser. Parce qu'aujourd'hui, on a la DG Climat qui va porter la voix dans les négociations internationales, on a la DG DEFCO qui va être sur le terrain, on a le Service européen d'action extérieure qui maîtrise les délégations de l'Union européenne, qui au plus près vont inciter les pays à avoir des politiques plutôt pro-climat. On a la Direction générale de l'agriculture, si je prends mon sujet, qui a aussi un petit volet de coopération avec l'Afrique. On a la Direction générale de la recherche, dans laquelle était Julia, qui développe les solutions. Il y a d'énormes financements sur les solutions. Alors les solutions environnementales, les solutions sur les véhicules, tout ça, sur la transition. Et donc on a des forces partout. Et ce qu'il faut, c'est que la présidence et le vice-président disent « on a cette action ». Et donne un chef de file. C'est ce qu'on fait dans des gouvernements. Il y a un ministère qui est chef de file. Et donc, pourquoi pas la DG Climat sur certaines actions, ou la DG Environnement, d'ailleurs, sur d'autres actions, sur la biodiversité. Donc, c'est possible. Et il faut une forte volonté politique. C'est ce que vous appeliez la task force tout à l'heure, Jean-Patrick Yannick. Pardon. C'est lié à ça. Mais là, on est au cœur de la commission. C'est plutôt la mécanique dans la commission à laquelle vous faisiez référence. La task force que j'avais en tête, c'était plutôt, on identifie un levier, on crée une agence ponctuelle qui sera en charge de gérer ce levier. Après, là, on parle de structures institutionnelles qui sont pérennes. C'est pas la même chose. Oh, les DG, ça va, ça vient. Leur nom. Leur on nom. Peut changer l'architecture. Leur nom. Et la répartition des portefeuilles. Puisque vous avez la parole, tout à l'heure, vous avez parlé d'alignement des acteurs, et notamment d'alignement des acteurs au niveau national. Si on reste un peu français, en ce moment, est-ce que les acteurs sont bien, pas très bien, moyennement, un peu ou pas du tout alignés? Le constat européen dont je parlais, il est français, hein, il n'y a pas de différence. Quand je disais la France pourrait être en revanche, moins bonne. En revanche, certaines filières sont beaucoup plus avancées que d'autres. La filière électrique, la filière énergétique, et hors économie réelle, la finance. La finance, c'est par nature. La finance, c'est financer des projets sur 10, 20, 30, 50 ans. Et en tenant compte du risque. Il y a un risque climat évident, qu'il soit de transition, réglementaire, etc., ou physique. Qui n'a pas été pris en compte pendant très longtemps, quand même, le risque climat par les financiers. Écoutez, je suis partiellement d'accord. Mais je pense que... Les assureurs ont commencé à s'inquiéter plutôt que les autres. Voilà, les assureurs, mais aussi les banquiers. Je dirais que les fonds d'investissement arrivent un peu plus tard. Mais les préoccupations climat sont vraiment inhérentes à la gestion du risque des acteurs financiers. Donc, dans leur cas, il n'y a pas de doute. Quand on finance un projet qui a un risque simplement de ne plus avoir aucune valeur parce que pour des raisons réglementaires, on décide qu'on ferme... Je fais une fixette sur les centrales thermiques, mais si on décide qu'elle est fermée, la valeur de cet actif, c'est zéro le jour où on le fait. Donc, il y a un vrai sujet. Ou il y a un risque simplement physique, naturel, lié au changement climatique. Ces installations peuvent coûter très cher à assurer. Donc, c'est des sujets qui sont clairement dans l'esprit des financiers depuis au moins le milieu des années 2010. Oui. Christelle Edeman, est-ce que les acteurs de votre secteur sont alignés en France? On est dans une filière industrielle qui est très alignée, qui est née autour de la construction, enfin dans les années 70, hein, le programme nucléaire en France, EDF, et puis toute la filière, j'allais dire, et des standards ensuite qui ont été développés par la France, mais avec des leaders mondiaux, voilà, Schneider Electric bien sûr, mais d'autres acteurs, Legrand, EDF, et puis des PME. Non, il y a une vraie filière, et qui fonctionne très très bien en filière. On est dans des métiers qui sont finalement peu connus parce qu'on ne parle pas forcément au grand public,
Mais on est une filière qui est très bien organisée. Mais même chose en Allemagne, hein, le Zweig avec Siemens. Et d'ailleurs, on est de façon générale dans une filière pour laquelle les Européens ont clairement un leadership mondial. Merci beaucoup. Si on peut reparler deux minutes du plan de relance du Next Generation. Jean-Paris Gagny disait tout à l'heure, c'est bien, mais ça a un terme. Qu'est-ce qu'on peut imaginer derrière pour que cet effort-là soit prolongé et qu'on ne soit pas, on ne reste pas à simplement la relance, mais à quelque chose de plus long? C'est ce que je vous disais. Il y a un sujet qui était la relance économique, qui est pour 2-3 ans. Le plan de relance, il a un horizon fini à 2023, si je ne me trompe pas. Il y a un autre sujet qui est de développer, financer une stratégie européenne de lutte contre le changement climatique. Celle-ci, on l'attend. Donc, qu'est-ce qui doit arriver après ou pendant, parce que ça peut être en parallèle, c'est ce plan climat avec un financement adéquat. Mais on n'a pas de prémisse de... Ah bah oui, c'est en cours de discussion, mais oui, pour le moment, on l'a mais pas. De volonté politique forte, on n'en entend pas beaucoup. C'est ça que je veux dire. Sur l'idée d'une stratégie collective... Il y a des discussions sur l'idée d'une stratégie, peut-être pas totalement collective, il y a aussi des discussions. Le sujet, c'est surtout comment on le finance. Comme on le sait tous, on arrive à une aporie budgétaire qui fait qu'il y a des choix à faire. Et donc, il y a des arbitrages qui ne sont pas encore faits. Vous avez beaucoup insisté tout à l'heure, Elisabeth Lavry, sur la question du financement par rapport à l'Afrique. Est-ce qu'il y a, du côté de nos amis africains, une réflexion sur ce sujet-là ou est-ce que... La réflexion sur le financement est plutôt côté européen. Alors, d'abord, l'Afrique, elle est beaucoup plus engagée dans ces discussions que l'image qu'on peut en avoir. Par exemple, l'Union africaine fait des plans sur l'agriculture durable. Ils sont très impliqués. Il y a eu des plans sur l'électricité propre en Afrique. Ils sont en train de se développer. Ils peuvent choisir le bon chemin. Et ce qui est important, c'est d'avoir les incitations financières pour choisir le bon chemin. Et c'est vrai sur l'électricité qu'ils ont fait des vrais choix sur, pour les pays qui étaient dépourvus de ressources en pétrole, des vrais choix sur des énergies propres, hein, qu'on voit les grands barrages en cours, des conséquences environnementales, mais les grands barrages en cours, l'éolien, le solaire, avec tout ce qui a été déjà dit sur le fait qu'on est sur on est sur des pays énormes, il y a des questions de distribution et on est sur des tout petits réseaux autonomes. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas facile à financer. Donc, ils ont fait ces choix. Et sur l'agriculture, il y a énormément de débats. Moi, hier, j'étais en visioconférence avec des collègues africains, un panel qui s'appelle le panel Montpellier-Malabo. Malabo, parce que c'est l'endroit où il y a eu une déclaration sur l'agriculture. Et où ils échangeaient sur comment arrêter de dégrader nos sols, comment arrêter de perdre en biodiversité. Et donc, c'est une question qui est importante pour eux. Alors, importante parce qu'il ne faut pas croire que les préoccupations de climat et de biodiversité ne touchent pas la jeunesse africaine. Il y a des grands mouvements. Ils le voient à distance, la dégradation de leur environnement. Ils le voient à distance d'une génération. Ils voient ce que leurs parents pouvaient faire et ce qu'ils ne peuvent plus faire. Et il y a une prise de conscience majeure. Et on a le sommet Afrique-France qui se déroulera à Montpellier la semaine prochaine. Et il y a des jeunes Africains qui viendront en parler et expliquer comment ils se sentent concernés. Ça a un impact très clair sur leur capacité de production. Des sols dégradés, le fait qu'il n'y a plus d'insectes, et ben, il n'y a plus de pollinisateurs et il y a une baisse très forte des rendements. Donc il se passe énormément de choses dans leur société civile. Et la question, c'est comment nous, on peut s'appuyer là-dessus pour, en étant à côté effectivement des autorités locales et aider ces financements, et aider ces bons choix. Alors ça passe par les financements, ça passe par un dialogue politique et ça passe aussi par un dialogue des sociétés civiles. Parce que je crois que les jeunes générations de part et d'autre de la Méditerranée ont beaucoup de choses à partager, à se dire sur ces questions-là. Et un dernier point, on travaille sur le bio. Le bio, on sait, c'est des questions de pays riches. Là où il y a le maximum de demandes pour le bio aujourd'hui, bien c'est dans les pays émergents et c'est dans les grands pays africains. Parce que ceux qui ont des moyens pour se nourrir correctement... Ils ont envie d'avoir de la nourriture avec moins d'intrants, de la nourriture qui ne met pas en danger leur santé. C'est une aspiration universelle. Donc partons de ce qui nous rassemble et je suis sûre qu'on peut réussir à construire de beaux projets. Mais il faut de l'engagement politique et sur le long terme.
et sur le long terme. Des solutions conjointes, ça nécessite, c'est comme les questions d'innovation, il faut se dire pendant 5 ans, on s'y met, 5 ans, 6 ans, et on tient, parce qu'il y a des jours où ça avance, il y a des jours où ça avance pas, mais on tient. On parlait de l'euro, et en fait l'euro c'est cette histoire-là. C'est l'histoire aussi d'une génération politique qui a cru, d'administration et de population qui ont dit « banco, on y va », et qui ont tenu même quand ça tanguait. Et donc c'est aussi ça qu'on attend aujourd'hui de nous et des acteurs. Merci. Juste Christelle Edelman, peut-être pour, à propos de l'Afrique, comment est-ce que vous voyez, vous, le panorama que nous décrit Isabelle Claverie depuis Schneider Electric? Comment est-ce que vous voyez le panorama africain dans le domaine qui est le vôtre? Alors, on voit très très bien, mais un peu comme ce qui s'est passé dans le monde des télécoms, que finalement, les pays qui ont construit des centrales de production d'électricité au XXe siècle ont également tout à faire. Les pays qui finalement partent d'une feuille moins construite, hein, c'est le cas de l'Afrique en particulier, mais c'est le cas aussi de beaucoup de nouvelles économies, vont partir directement sur les nouvelles façons de produire de l'électricité, de le consommer. Tout ça sera beaucoup plus décentralisé. Donc, comme les réseaux mobiles de télécom se sont déployés à la fin des années, au début des années 2000 ou fin des années 90, la même chose se passe. Et donc, on voit finalement des pays qui vont directement sur des enjeux à la fois d'autonomie, de résilience, et puis ils utilisent les nouvelles technologies. Il faut bien prendre conscience que les enjeux de transition énergétique, il va être investi sur la production d'électricité autant dans les 100 prochaines années que ce qu'on a fait depuis que l'électricité a été conçue. Donc en fait, les pays qui partent d'une feuille blanche n'ont pas de... Enfin, il y a des avantages économiques, si je puis dire, mais d'un point de vue technologique et énergétique, ils vont directement sur les nouvelles générations. Merci beaucoup. Je crois que nous arrivons pratiquement au terme de ce débat. Je note qu'au vu de ce que vous avez dit les uns et les autres, ce n'est pas vraiment une modification de l'architecture institutionnelle d'Europe qui va faire progresser la transition écologique. En revanche, une volonté politique, comme vous disiez, avec Claverie, sur le long terme, vous avez même employé le terme de génération, ce qui me frappe. Il faut qu'il y ait une génération de gens, ce qui veut dire des jeunes, éventuellement des moins jeunes, mais en tout cas, au moins une génération qui s'engage sur le long terme, qui décide de mettre des moyens financiers. Il faut les trouver, effectivement, dans une épure qui est aujourd'hui peut-être plus compliquée qu'elle ne l'était au moment de la création de l'euro ou de l'élargissement. Et ensuite, un alignement des acteurs au niveau national, alignement des acteurs dont visiblement dans certains secteurs, comme celui de Christelle Heidemann, est en voie de réalisation. Donc on peut rester optimiste. Il ne faut pas espérer que ce soit un changement institutionnel qui est un biais très français, une réforme magnifique des institutions et de l'architecture qui change les choses. C'est au quotidien et sur la durée et sur la volonté politique des acteurs que visiblement nous pourrons faire progresser cette transition écologique que le Green Deal... dont le Green Deal, pour l'Europe en tout cas, pour lequel il donne un véritable nouveau départ. Je remercie les panélistes, et y compris Julia Stamm, qui a été trop peu de temps avec nous à cause d'un problème visiblement technique. Je remercie les quatre panélistes et je vous remercie tous d'avoir assisté à ce débat. Merci beaucoup et merci évidemment à tous les organisateurs, y compris techniciens, de ce débat. Merci beaucoup.